Si votre Iris Explorer commence à clignoter à un moment donné, c'est un signal que la batterie à l'intérieur du système d'éclairage commence à être trop faible pour pouvoir prendre des photos correctes. Donc c'est un système qui calcule le niveau de la batterie qui est utilisée et vous empêche de prendre une photo si elle baisse en dessous d'un certain seuil et donc rend l'éclairage moins fiable. Et donc à ce moment-là, il faut changer la batterie. Donc quand elle clignote, il faut changer la batterie. Donc la façon dont il faut faire, c'est juste vous dévisser l'Iris Explorer de l'appareil. Voilà. Je pose. Voilà. Et avec votre Iris Explorer, vous avez dû recevoir une petite clé Allen comme cela. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra si ça se voit bien. C'est une petite clé Allen de 2 mm. Et ici à l'arrière, vous avez deux petites vis qui s'enlèvent. Voilà, je vais faire ça ici, vous allez le voir plus facilement. Donc, j'enlève cette vis-là. Voilà. Vous allez voir à l'intérieur, il y a juste une batterie et ça se change tout simplement. Vous déclipsez ici et vous en mettez une neuve. Donc celle-là, elle est neuve, pas besoin de la changer. Voilà. Et la façon dont il faut bien le remettre, c'est de cette façon-là. Donc pour que le fil, il va aller ici vers la droite. Et vous le mettez de cette façon-là, comme ça, le câble, il ne va pas gêner au moment de le fermer. Voilà. Donc, je vous conseille aussi de le remplacer avec une batterie de bonne qualité, de type Duracell, ou une marque que vous connaissez. C'est juste il y a les sous-marques ou les marques un peu moins connues. Le voltage de la batterie n'est pas toujours fiable, et vous risquez d'avoir une batterie qui soit juste pas assez forte pour le système d'éclairage. Et voilà.